Bonjour Emmanuel. Et merci à chacun de vous d'être là pour mieux avancer dans la découverte de Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix est-il un carme poète ou un poète carme? Telle est la question que je pose dans cette communication estivale. Sommes-nous, en posant cette question, dans le domaine de l'anthropologie? Oui? Non? Sommes-nous dans le domaine de l'anthropologie saint-jeuniste? Oui. Mon intention est d'essayer d'éclairer donc le rapport entre la poésie et la spiritualité et de montrer, autant que je vais le pouvoir, bien sûr, avec mes limites, que c'est réellement la vie spirituelle chez Saint Jean de la Croix qui est créatrice de poésie. La poésie étant déjà une création, puisque poiein veut dire créer, nous avons un niveau encore plus élevé chez Jean de la Croix, qui est réellement une création d'ordre spirituel. Je voudrais citer une pensée de Michel Mahé, qui est actuellement professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse, dans un ouvrage intéressant que j'ai lu avant de préparer cette conférence, intitulé « Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ?» Et j'ai retenu une pensée où il dit « L'homme est un vivant différent. » Un vivant différent. Par cette différence, l'homme se distingue des autres vivants et ressemble à Dieu. Voilà, il me semble que c'est un premier fondement qui peut peut-être nous aider à avancer en terrain saint-jeuniste. Vous voyez que cette pensée est inscrite dans une anthropologie intégrale. Or, avec Jean de la Croix, nous sommes bien dans une anthropologie intégrale, englobante du mystère de l'homme. Vous comprenez bien, c'est une vaste question et qu'il m'a fallu faire des choix. Je vous propose donc trois axes de réflexion, trois pistes qui sont, je le redis bien, sélectives. Il y en a certainement d'autres et de nombreuses autres possibles. La première piste est le rapport de la grâce et de la nature dans une perspective saint-jeuniste. La deuxième piste est l'homme et son langage et comment s'opère chez Saint Jean de la Croix le passage à l'eau divine dans l'acte poétique. Je répète, dans le second point, c'est l'homme et son langage, l'homme est un qui parle, c'est une caractéristique essentielle, nous la retrouvons avec Jean de la Croix, mais avec une spécificité qui n'est pas banale, nous passons avec lui à une expression à l'eau divine, une expression spirituelle. Et il faut essayer, je ne dis pas de répondre, mais de s'interroger sur la manière dont ce passage s'effectue. Et cela fait partie de sa vision anthropologique. Et le troisième point sera le jeu, le jeu, entre les vertus théologales et les facultés naturelles de l'homme, avec son incidence sur l'anthropologie saint-jeuniste. Donc, vertu théologale et faculté naturelle. Je commence donc par le premier point, rapport entre grâce et nature, en précisant bien que, par rapport à ce vaste, délicat sujet, je ne vais que balbutier. Et enfin, je vais balbutier autant que je le peux, poser au moins un fondement
qui nous permettent d'avancer, disons, en terrain aussi sûr que possible. Je commence d'abord par rappeler la réponse faite par Saint Jean de la Croix lui-même à Sœur Madeleine du Saint-Esprit, qui s'étonnait de la hauteur poétique des textes de Jean de la Croix. Elle était admirative devant une telle élévation. Le mot est peut-être encore faible. Voici donc cette citation. Étonnée et admirative, je lui demandais un jour si c'était Dieu qui lui donnait ces mots qui embrassaient et ornaient tant de choses. Embrassaient et ornaient tant de choses. Et il me répondit, ma fille, parfois c'était Dieu qui me les donnait. Parfois c'était moi qui les cherchais. Voici, vous connaissez certainement déjà cette réponse de Jean de la Croix. Je crois, voici là, un premier élément où Jean de la Croix lui-même déjà synthétise, parce qu'il est très synthétique. Il synthétise cette question complexe du rapport entre la grâce et la nature. Parfois Dieu me les donnait, ces mots splendides, et parfois, je l'ai cherché. Il y a donc un travail réel de la part du poète, de la part de l'écrivain. Et il y a deux termes importants dans sa réponse, c'est « donner » et puis « chercher ». La grâce est un don de Dieu, reçu, et en même temps, qui ne supprime pas, bien sûr, la recherche. Donner, chercher. Et c'est peut-être deux verbes que l'on peut garder un peu en arrière-fond, en background, pour lire Saint Jean de la Croix, le ressentir comme quelqu'un qui reçoit et en même temps comme quelqu'un qui cherche. Et ainsi nous nous sentons nous-mêmes, vous voyez, pris dans cette mouvance avec lui. Nous ne nous sommes plus extérieurs à sa démarche. Oui, le langage Saint-Jeaniste, déjà dans cette réponse, est toujours extrêmement précis. Et nous sommes presque obligés de nous arrêter avec vigilance, avec attention, et avec amour surtout, je crois, à sa manière de parler. Donc Saint Jean de la Croix n'est pas dans l'écriture automatique. Il n'a pas, comme cela, reçu de façon directe ce qu'il nous livre. Et nous sommes avec lui des chercheurs, des chercheurs de Dieu qui, bien sûr, nous secondent. Pour essayer de, comment dire, consolider un petit peu plus, autant que je peux, ce premier propos, je me suis référée à Saint Bonaventure, qui, disons, dans son Breviloquium, où il parle de la grâce du Saint-Esprit, et peut-être c'est le texte que vous connaissez sûrement déjà, eh bien, nous donne quelques éléments sur ce sujet. Je le cite. Il nous dit « La grâce est un don qui purifie l'âme, purifie, l'illumine et la parfait. Ce don qui la vivifie, la réforme, la stabilise, l'élève et l'assimile et l'unit à Dieu et ainsi la rend acceptable. » Ce qui me frappe là, c'est que nous avons une multiplicité de verbes pour essayer de dire une même réalité. C'est un don qui purifie, purification, qui illumine, illumination, qui parfait, vous voyez, qui amène progressivement à une perfection, à une transformation du naturel, qui vivifie, c'est-à-dire qui va rechercher ce qui déjà est vivant, qui est un appel en attente d'une vie plus haute, stabilise. Et avec Jean de la Croix, je crois
j'allais dire, en dépit de la hauteur mystique, nous sommes dans une stabilité, et, oui, une sécurité, hein, une paix. Voilà. L'élève, sans commentaire, l'assimile et l'unit à Dieu et ainsi la rend acceptable. Et donc ceci est une pensée de Saint Bonaventure et je crois qu'elle peut nous aider à comprendre, au moins à approcher, hein, tant soit peu, ce mystère de la création poétique à partir d'une expérience finalement indicible. Alors Jean de la Croix a fini par dire l'indicible. C'est là qu'il faut s'arrêter et s'interroger. Voilà un petit peu ce que j'ai pensé vous proposer comme, disons, référence théologique. Il y en a bien sûr bien d'autres. Bon, il se trouvait que j'avais travaillé ce texte, je me suis arrêtée assez longuement, et je me suis rendu compte aussi, mais un petit peu après coup, que certains commentateurs de Jean de la Croix souvent font référence à Bonaventure. Bon, je n'ai pas cette connaissance de Bonaventure lui-même pour dire pourquoi, mais en tout cas ce que j'ai aimé, c'est, si vous voulez, ce souci de précision de la chose théologique, qui demande beaucoup de modestie finalement, et donc d'oser dire, voilà, c'est cela, ce n'est pas cela, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, souvent les théologiens font comme ça. Ils proposent des appréciations, des approches, ils mettent des mots. Hein. Donc, c'est un peu, enfin, pour ma part, c'est un peu ce que j'aime faire par souci de vérité, hein, autant que cela est possible. Voilà, je laisse là, un petit peu la théorie, hein, et je vous propose maintenant de nous arrêter sur quelques textes de Saint-Jean de la Croix. Puisque mon désir est de vous familiariser, de nous familiariser avec ses propres textes à lui. Je commence, ce sont des choix personnels, vous pouvez en faire d'autres, et la matière ne manque pas, hein. Ce sont des choix que j'ai faits, je vous les livre. Je commence par regarder avec vous les vers 4 et 5, de la strophe 23 du Cantique spirituel. Alors en général, je me réfère au seuil, hein. C'est peut-être pas la meilleure édition, mais je fais avec ce que j'ai. Et puis je travaille également sur les poésies complètes de Jean de la Croix dans l'édition de Bernard Cézé. Voilà. Les traductions sont, de mon point de vue, parfois bonnes, parfois mériteraient d'être nuancées, mais ce n'est pas mon propos, donc je n'entre pas dans les traductions, mais qui demanderaient certainement une intervention en elle-même. Voilà, je vous donne un petit peu ces références. Ces deux vers sont... Donc là, vous citez le cantique B ou le cantique A, quand vous dites la strophe... Alors, strophe 23, là, c'est le cantique B. Je pense, hein, je vais quand même mettre mon point d'interrogation, parce que je n'ai pas fait la vérification. Les miens, c'est-à-dire mes yeux, méritaient par là d'adorer ceux qu'ils voyaient en vous. C'est la métaphore des yeux qui émerge donc à ce moment assez haut du cantique spirituel. Oui, vers 4 et 5, donc de la strophe 23 dans le cantique spirituel. Si je n'ai pas fait d'erreur, ce qui est possible. Hein. J'ai passé beaucoup de textes. Ça ne correspond pas? Quando tu me miradas. Avec moi, tu suis marié. Non, moi j'ai. Non, mais c'est, il y a deux versions, du cantique spirituel avec l'ordre est différent. Oui, 23. C'est 23, mais c'est dans cantique A. C'est là, hein.
Donc c'est le A dans l'audition du seuil. Voilà. Ça va? Voilà, et j'enchaîne avec le commentaire qu'en fait Jean de la Croix lui-même, hein, le commentaire. Il dit « Ô mon époux, les puissances de mon âme ont mérité d'être élevées jusqu'à pouvoir vous regarder, alors que précédemment, elles n'accomplissaient que des œuvres viles et misérables. Pouvoir contempler, c'est pour l'âme agir avec la grâce de Dieu. » Si nous commençons, et c'est ce que je voudrais faire, hein, par observer ces vers d'un point de vue poétique, je dis bien poétique, comme première approche de compréhension, nous observons déjà qu'ils contiennent deux niveaux de réalité. Et il y a deux niveaux de réalité. La réalité immédiate, la réalité physique, celle des yeux, et une réalité plus cachée, plus subtile, plus intérieure, qui nous apparaît sous deux facettes, celle du mérite, hein, le terme mérité apparaît, accordé par Dieu, et celle de l'adoration, hein, qui est pratiquée par le contemplatif, hein, mérité par là, d'adorer ce qu'il voyait en vous. Donc vous voyez, il y a un jeu. Adorer, vous voyez, l'adoration est de l'ordre du spirituel, la vue, au moins un premier degré, est de l'ordre naturel. Or, le vers nous dit d'adorer ce qu'il voyait. Voilà, c'est ça cette poésie carmélitaine. Elle est sourcée dans l'expérience, hein, et elle devient un vers qui prend telle forme. Adorer ce qu'il voyait. Donc il est bon de la lire déjà en tant que poésie, tout simplement. Et elle n'est pas foncièrement difficile. Et c'est elle-même qui, par sa nature spirituelle, va nous permettre d'accéder à ce que Jean de la Croix veut nous dire. Il me semble qu'il y a une sorte d'ascèse presque dans la lecture. Et accepter de lire telle qu'elle, en se laissant enseigner par ce que dit le vers, voilà, ou ce qu'il suggère, ça dépend des cas. Autrement dit, dès le contact, parce que c'est un réel contact, hein, avec le vers lui-même, eh bien, nous sommes en présence du carme poète. J'ai un deuxième exemple à vous proposer. Alors, j'espère qu'il y a encore des vérifications à faire au niveau de mes références, mais pardonnez-moi. J'avais choisi le vers 5, j'ai noté la strophe 24, mais il va peut-être falloir vérifier encore. Mais le vers, c'est, ça va? Vous dites édition du seuil, et puis... Voilà, bon. C'est « Vous avez laissé en moi la grâce et la beauté ». C'est un très beau vers. « Vous avez laissé en moi la grâce et la beauté ». Je crois qu'on peut faire un constat similaire au premier. Nous sommes en présence d'une association de deux termes, grâce et beauté. Et cette association, je crois, nous renvoie à la problématique posée au départ. Si le don de la grâce relève de l'action divine, c'est la grâce, il va susciter chez le poète un sens aigu de la beauté. Le monde de la beauté est omniprésent chez Jean de la Croix, qui avait déjà une sensibilité naturelle à la beauté, et qui ici, dans ce vers, ne dissocie pas la grâce de la beauté. La beauté de la grâce. Donc il y a là une marque écrite, c'est-à-dire poétique, redite, hein, de sa relation au monde, hein, aux êtres également, et à Dieu bien sûr, qui semble émerger là.
vous connaissez le vers, c'est en répandant mille grâces qu'il est passé à la hâte par ses bocages. Et le terme de grâce est à la fois la grâce, disons, qui relève de la beauté esthétique, hein, et en même temps de la beauté intérieure. Il y a donc ici une touche, une étive, hein, dans la poésie, où nous sentons bien que le poète écrit donc à partir de sa vie intérieure. Bon, il y a bien sûr d'autres exemples possibles, hein, à la limite, toute la poésie peut être abordée comme cela. Ce que j'ai voulu montrer simplement dans ce premier point, c'est d'où part le poète, d'où part-il, voilà, d'où part-il, quelle est son origine créatrice. Je crois que cela est important. Ce qui me permet de passer au deuxième point, qui est déjà, je pense, engagé dans cette première partie, c'est l'homme et son langage. C'est une question, bien sûr, d'anthropologie tout à fait fondamentale. Et donc, avec Jean de la Croix, nous passons dans un langage allo divino. J'ai travaillé, en préparant cet exposé, un petit ouvrage de Dominique Salen qui s'intitule « L'expérience spirituelle et son langage ». L'expérience spirituelle et son langage, c'est un livre intéressant, très intéressant. J'apporterai pour ma part de temps en temps peut-être quelques réserves minimes, mais je le prends comme référence par rapport à la question du langage. Et du langage rattaché à l'expérience intérieure. Voilà, on n'est pas dans une réflexion générale sur le langage. L'homme parle, ça ne suffit pas. Ici, nous sommes avec quelqu'un qui nous parle d'une expérience du dedans. Donc c'est quand même très particulier. Et je cite Dominique Salen, qui a écrit ceci. L'expérience intérieure est à considérer d'abord comme un fait de langage qui s'inscrit dans un monde de langage et dans un processus d'interprétation infini. Voilà, donc il situe d'emblée la question de l'expérience intérieure dans l'univers de la parole. En ouvrant cette question, il nous dit, en réalité, il va falloir interpréter. Et c'est ce que nous essayons de faire un petit peu ensemble ce matin. Et il ajoute que l'interprétation est infinie. Et je crois que c'est juste. On ne peut pas affirmer toujours de façon très catégorique certains points. Il faut être ouvert à peut-être d'autres lectures. Mais ce qui me paraît intéressant dans cette pensée, c'est un petit mot qui apparaît dans la phrase, c'est d'abord. Il dit, l'expérience spirituelle, pardon, intérieure, est à considérer d'abord. Bon, c'est sa manière de penser. Hein. En fait, elle est intéressante parce que il met en premier la question du langage, et donc pour nous, du langage mystique. C'est le langage mystique dont il s'agit. Et c'est donc un point qu'il va falloir réellement prendre en compte. Je crois que nous sommes au cœur du sujet ici, parce que cette poésie est portée par l'expérience. Elle est portée au sens où une mère porte son enfant. Elle est portée et je crois vraiment qu'elle est née de l'expérience. Elle est née de l'expérience. Et en cela, je dirais que un des aspects de l'anthropologie saint-juaniste est d'être une anthropologie de la naissance. De la naissance au sens où il parle lui-même du réveil du verbe, hein, le verbe avec un grand V, hein, qui se réveille dans l'âme.
voilà, qui meut de l'intérieur l'âme, comme une naissance, un mouvement qui appelle à une sortie. Cette poésie, c'est une sortie, c'est une expression. Je suis sorti. Et en même temps, j'ajoute du réveil du verbe sous la plume. Voilà, le verbe se fait chair. Donc, le verbe se réveille dans l'âme, c'est dans la vive flamme. C'est tout un passage sur ce très beau thème du réveil du verbe. Et chez le poète, eh bien, nous devinons ce réveil sous la plume. Je prends juste une illustration, il y en a beaucoup. Le dernier vers de la vie flamme d'amour, vous le connaissez. Je lui confiais tous mes soucis. Je lui confiais tous mes soucis et m'oubliais au milieu des lys. Je lui confiais tous mes soucis et m'oubliais au milieu des lys. Voilà notre carme qui parle et écrit comme il vit. C'est cela l'écriture sensualiste. Il écrit comme il vit. Je lui confiais tous mes soucis. Voilà, comme on confie ses soucis à un ami. Et puis, et c'est là qu'il y a quelque chose de nouveau, d'intéressant, d'original. Et m'oublier au milieu des lys. C'est tout de même étonnant. L'association des soucis et des lys. Voilà le miracle de la poésie. C'est nous faire entrer dans la réalité intérieure, dans le dialogue intérieur, pour se faire épiphanie, manifestation de ce qui est caché et le demeure à l'intérieur. Pourquoi ces lys? Il y a bien sûr toute la symbolique. Mon sujet n'est pas tellement sur la symbolique. Je crois qu'il faut se laisser saisir, se laisser étonner, de façon à pouvoir recevoir ce dialogue du poète avec son Dieu. Il est là, pétri de ses souffrances, de son espérance, de sa vie théologale, de sa prière. Ces vers, voilà, il y a tout cela. Ils sont nés de là. Et ce qui m'intéresse, je le répète, pardonnez-moi, c'est de voir que, eh bien oui, ce langage poétique, pour moi, c'est une naissance. C'est une naissance du travail intérieur que la grâce opère, et qui permet la mise en œuvre de l'écriture. De l'écriture. Un exemple, bien sûr, classique, mais je crois qu'il est bon de le rappeler aussi. C'est tout le poème de la Noche Oscura, la nuit obscure, évidemment. Dans le poème de la nuit obscure, eh bien, nous sommes réellement plongés au cœur de cette poésie carmélitaine. Ô nuit qui m'avait guidée, ô nuit plus aimable que l'aurore, ô nuit qui avait uni l'aimé avec sa bien-aimée, qui a été transformée en lui. Bien, vous connaissez par le cœur ce poème, bien sûr. Le commentaire est presque superflu. Je vais donc laisser à Jean de la Croix le soin de le faire. Je cite à ce propos un extrait de son propre commentaire. Il écrit ceci. D'après le langage mystique dont nous nous servons présentement, les choses et les perfections divines ne sont pas connues et comprises telles qu'elles sont quand on les cherche et qu'on s'y exerce, mais seulement quand on les a déjà trouvées et qu'on en a l'expérience. C'est Jean de la Croix. Hein, vous voyez ? Et un excellent pédagogue, il nous dit combien le fondement, c'est l'expérience spirituelle. Voilà. La compréhension ne peut se
je veux dire goûter qu'à partir de ce fondement qui est l'expérience. Et nous quittons donc petit à petit le domaine du, je veux dire, du pur rationnel. Il ne s'agit peut-être pas de comprendre Saint Jean de la Croix. Il s'agit, n'est-ce pas, de se laisser, je veux dire, enseigner, instruire comme lui-même l'a vécu. Il a fait le chemin, il a fait le parcours, il a l'expérience, il nous la livre. Et voilà, à nous maintenant, autant que nous pouvons, d'être des disciples dociles à cette expérience. Et c'est l'expérience, rejoignant celle que chacun porte en lui, mystérieusement, eh bien, qui nous amènera, je crois, à goûter cette poésie. Il nous dit bien que, eh bien, ce langage mystique, lui-même l'a dit, ne peut pas être compris. Mais c'est, voilà, il déplace l'approche, il déplace la question. Voilà, il la met ailleurs. Et c'est ce, je crois, dont nous avons besoin. Et c'est là que se fait le passage à l'au-divin. C'est là que, à partir du substrat qu'est l'expérience, la parole humaine, la parole écrite, et en l'occurrence la parole poétique, va pouvoir devenir transformée. Parce que le poète s'est laissé transformer. Et ce passage à l'eau divine, ce que je dis là, j'en ai conscience, hein, succède. Ça demanderait peut-être aussi toute une analyse en soi. Hein. Mais je m'efforce de pointer voilà, ce qu'il nous dit lui-même, à savoir, c'est l'expérience qui va être créatrice de ce langage à l'eau divine. « Ô nuit qui m'avait guidé », c'est la nuit de la foi, bien entendu, avec ses paradoxes de lumière et d'ombre, plus aimable que l'aurore. La nuit n'est pas toujours aimable, l'aurore peut-être parce que c'est le début du jour, c'est un oxymore. Mais voilà, il nous livre son expérience intérieure jusqu'à la transformation et la poésie. Et je crois que ça, c'est très important. C'est comme dans la Sainte Écriture. La poésie n'est pas une décoration extérieure. Vous voyez, elle n'est pas surajoutée. On ne doit pas dire « Oh, c'est de la poésie ». Non. Ceci ne peut pas être entendu. La poésie, c'est la vie, c'est la réalité. C'est vraiment le réel le plus profond. Les poètes ont eu la grâce de nous réveiller, justement, de nous montrer le réel, dans son mystère, dans sa beauté. Et là, c'est un réel beaucoup plus intérieur qui est manifesté. Bon, voilà quelques mots sur ce passage à l'eau divine. Je précise peut-être un petit peu, en restant sur cet extrait de la nuit obscure, nous pouvons bien sûr nous demander... Où est l'homme dans ces vers ? Ô nuit, etc. Et tout le poème est sur la nuit. Où est l'homme ? Où est l'anthropologie ? Sommes-nous bien dans l'anthropologie ? Eh bien, je crois que, oui, l'homme, il est là. Il est dans le terme nuit. C'est l'homme de la nuit. C'est l'homme de la foi. Et le mot « nuit » n'est pas un simple qualificatif, une approximation. C'est la réalité vécue. C'est l'expérience vécue par l'être humain, par la personne. Nous le sentons bien. Il est toujours possible de dialoguer avec la nuit. La nuit, celle qui succède au jour. Beaucoup de poètes, d'amoureux, de priants l'ont fait. Ici, il s'agit vraiment de la nuit de la foi, donc de la nuit expérimentée par celui qui vit et celui qui écrit. Autrement dit, le langage, comment dire cela, le langage est devenu
mystique, en conformité avec la métanoïa du poète, avec sa propre transformation. C'est sa propre transformation, son cheminement dans la foi, qui, au fur et à mesure où il écrit, je crois, suscite les mots. Et les mots ne viennent pas de l'extérieur. Ils jaillissent d'une intériorité travaillée. Et vous avez cela dans la plupart des poésies. Un autre exemple qui peut être, je l'espère en tout cas, confortera cette tentative d'éclairer ce mystère poétique et ce mystère en même temps anthropologique. Je me suis arrêtée sur la strophe 1 d'un petit poème intitulé « Les plaintes de l'enfant Jésus au pécheur ».« Plaintes de l'enfant Jésus au pécheur ». Je vous lis le début du poème. Il est dans le seuil, je pense. « De cette roche virginale qu'entoure une mère en furie, le Seigneur nouveau-né se plaint de l'homme terrestre, le traître, le tyran. » C'est un poème assez curieux, plainte de l'enfant Jésus. Donc c'est l'enfant Jésus qui parle, donc c'est à nouveau dans un contexte de dialogue qui est extrêmement fréquent dans la poésie saint-jeaniste, et qu'il parle à l'homme en le qualifiant de traître et de tyran. Alors, on peut se demander, là aussi, quelle est la vision anthropologique que l'on peut retenir. Je pars encore une fois dans le texte littéraire lui-même pour voir ce qu'il nous dit, comment nous pouvons le recevoir. Tout d'abord, cette expression de la roche virginale. Une roche n'est pas d'emblée virginale ou nécessairement virginale, n'est-ce pas? Une roche, c'est une roche. Voilà, la poésie nous parle d'une roche virginale. Donc déjà, nous sommes saisis par cette association de termes. Elle est non seulement virginale, mais elle est entourée par une mère en furie. Voilà un contexte contrasté. Roche virginale évoquant déjà une certaine pureté, une certaine paix. Et puis, juste après, sans transition, le lieu où elle est située, qui est une mère en furie. Ce qui n'est pas forcément rassurant, mais qui nous met en contact avec une réalité intérieure que nous allons comprendre juste après. Le Seigneur nouveau-né, c'est peut-être là la virginalité de la roche. Si dans la roche on met la figure christique du rocher, c'est le Seigneur dans son innocence, le rocher virginal, qui se plaint, c'est beau, hein, qui se plaint, vous savez, d'être oublié. C'est le pastoureau. Dans le pastoureau, bien voilà, la pastourelle n'est pas là. Et elle a le cœur d'amour tout navré. L'arrière-fond de ce petit poème, on peut rappeler le pastoureau. Et je crois que cette figuration, c'est un langage figuratif, cette figuration poétique, eh bien, elle est réellement née, probablement, de la contemplation faite par Jean de la Croix d'un Dieu qui cherche l'homme et qui est forcé d'employer des mots un peu violents, traîtres, tyrans, mais qui sont des mots issus d'une souffrance. Pas d'un jugement, mais d'une souffrance. Voilà. Et qui permettent de, non pas de comprendre. Si nous nous disons pourquoi est-ce que ces mots arrivent là, peut-être que nous allons errer ou ne pas trouver de réponse. Si nous essayons de nous placer dans le cœur de Jean de la Croix,
contemplant lui-même le cœur du Seigneur, alors nous allons simplement lire ce poème en y découvrant cette anthropologie où l'homme est saisi comme étant cherché par Dieu. C'est une autre facette de l'anthropologie. On pouvait l'apprendre aussi par ce biais-là. C'est là que l'on voit, en fait, dans ces deux textes que j'ai cités, et encore une fois, il y en a d'autres, que la poésie, et je vous démarque là un tout petit peu de Dominique Salin, maintient que la poésie est suggestive. Oui, bien sûr, la poésie suggère ce que la rationalité peut-être ne peut pas faire comprendre, mais je pense que la poésie mystique n'est pas que suggestive. À mon avis, elle est extrêmement réaliste. C'est du réel, bien sûr intérieur. Hein, autant le réel du cœur de l'homme que le réel du cœur de Dieu. Hein, dont Jean de la Croix a une très haute expérience et qu'il nous livre ici. Hein, c'est donc, je crois, à bien associé à cette vision anthropologique finalement très, très concrète. Très concrète, à la fois très humaine et très divine, hein, qui passe par de la poésie, mais qui en réalité nous montre que la poésie retrouve les racines du réel. La poésie, je parle, bien sûr, je me limite, mais enfin, en tout cas, la poésie saint-jeuniste ne s'évade pas. Hein, voilà. Il faut être très précis quand on parle de poésie. Bon, il y a poète et poète, bien entendu. Mais Saint Jean de la Croix n'a rien d'un rêveur. Non. À mon sens, c'est un homme de Dieu ancré dans la réalité, avec une profondeur à la fois affective et spirituelle très haute, et qui nous livre cette réalité. Là, on est dans une vision, sa vision en tout cas, anthropologique. Donc je me permets d'insister sur cette idée de quel est le mot juste. Parfois je ne sais pas, les mots sont difficiles à toujours trouver. Hein, il y a comme une concrétude, en fait, il y a une réalité, la res de la chose biblique, hein, une réalité que Jean de la Croix nous transmet. Et c'est en cela que je dirais volontiers, pour ma part, j'avance une hypothèse, hein, mais il me semble que cette poésie saint-juaniste nous révèle une anthropologie expressionniste. Et j'insiste parce que il a exprimé l'inexprimable. Bon, vous connaissez l'expressionnisme en littérature ou en peinture. Et c'est une tentative, je crois finalement, de faire sortir des mots, des lignes, quelque chose que l'on voit, que l'on touche, hein, que l'on sent, alors qu'il nous parle de la vie spirituelle. C'est un très haut paradoxe, mais il a réussi. Il a réussi, bien sûr, avec une vie contemplative certainement très élevée. Mais voilà, c'est ça, je crois. Il y a quelque chose de, non pas d'impressionniste, vous voyez, c'est l'inverse. Mais il y a une expression, au sens où, souvent j'essaie d'exprimer quelque chose. Hein, voilà, c'est-à-dire de mettre dans des mots, hein, dans des phrases, des pensées, des sentiments, des vérités qui sont intérieures. C'est ça la poésie de Jean de la Croix. C'est une poésie mystique, et en même temps, ce n'est pas contradictoire. C'est paradoxal, oui, mais le paradoxe, ce n'est pas la contradiction. Elle est expressionniste. Elle nous plonge finalement dans un univers qui nous devient accessible. Vous voyez ? Donc on est loin, me semble-t-il, hein, peut-être je prends quelques risques, mais enfin, il faut bien. Hein, on est loin de l'approximation, de la suggestion.
on reste, et c'est bien, dans le domaine poétique, que l'on retrouve d'ailleurs dans les commentaires. Il y a des passages dans les commentaires qui sont également très poétiques. Il ne faut pas séparer la poésie du commentaire. Voilà, s'il faut faire une lecture circulaire, je reprends l'expression de Bernard Césaire, je trouve qu'elle est juste, une lecture circulaire, on va d'un texte à l'autre, de l'autre à l'un, voilà. Pardon, j'ai fait un détour là, mais voilà, c'était pour bien dire donc cet aspect expressionniste, je crois, qui montre bien que l'homme n'est pas, figé dans la main du bon Dieu, qu'il, non, il a, voilà, ça part.